Bah en fait on parle beaucoup de Bordeaux en ce moment. Faut pas lui dire parce qu'elle va croire que je vais venir après. Bah moi franchement Mais qu'est-ce que c'est ça? T'as été chercher à la ferme? Bah bien sûr, c'est la ferme de Pessala. Ah bon? Bah après il est vendu en magasin, mais c'est dans une ferme qu'il le fait. Georgette? Oui. Tu veux la bouteille, tu veux la garder? Non merci. Quelle belle région la Bretagne. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, au niveau des opportunités de travail, je fais juste compliqué. La vaisselle, je fais le café et j'arrive. Non, mais t'aurais dû me laisser faire la vaisselle. Oui, ouais, elle a déjà fait tout mon ménage, elle a plié mon linge. Tu vois, Justine, elle me donne vachement envie. Hein. Oh non, mais dans ce qu'elle dit, putain, t'es chiante. Parce que tu m'aimais comme ça, j'ai vécu à Bordeaux et il y a plein de gens qui vivent. Non, il y a plein de gens, c'est vivant de ouf. Mais il me semble que les loyers, ça, c'est cher, la vie est assez chère. Salut, bon dimanche. Ouais, faut partir là-bas pour la retraite. Soon, tu parles de la Bretagne ou de Bordeaux? Pour la retraite. Vivre. Ouais, t'inquiète, Justine. Tu cherches dans quoi comme taf? Moi, là, pour l'instant, je travaille en intérim médical, mais si j'ai à me poser... Ce serait dans le social parce que j'ai toujours été là-dedans. Et dans l'accompagnement de personnes. Mais là. Là, ça devient. Ouais, les opportunités sont pas intéressantes. Je critique pas, mais voilà, c'est pas ce que je recherche. Quoi. Bretagne. Ah oui, ok. C'est parti. C'est quoi un prosette? Ou un prosé? Désolé, un prosé. Ouais, je vais avoir 26 bientôt là. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas non plus, je vais regarder. Pourquoi c'est quoi la phrase? Comment le trajet? Là, ça lui fait du bien. Bah, juste un prosé. Un prosé? Un prosé. Ah, peut-être un projet. Ah! Que tu zozotes? Ah ouais, je zozote moi? Je sais pas. Peut-être. Oh là là, c'est nul. Salut, t'as déjà fait avec un Renoir. Stop quoi, ça m'intéresse même pas. Viens sur Nantes, il y a beaucoup de social à faire là-bas. Ouais, je sais que Nantes, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Que tu zozotes, non certain. Eh bah écoute, si je zozote, bah tant pis pour moi, c'est comme ça hein. On accepte tout le monde, hein? C'est bon. Ouais. Allez, café parti. Ouais, allez, c'est parti pour un café. Et avec un mioche pour suivre la phrase du Renoir. Ouais, c'est nul. Hein. C'est mignon, t'inquiète. Et m'apaiser avant de faire ma demande en mariage ce soir. Et hey, Thibaut, si c'est réel, eh ben, je te souhaite beaucoup de courage parce que se marier avec quelqu'un, faut être courageux déjà. Et faut le vouloir. Faut le vouloir. Ouais. Non, je critique pas. Je critique pas. Mes parents, ça fait 27 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont pas mariés, mais ils s'aiment de ouf. Et donc, c'est pour ça que je suis pas très dans le mariage. Je pense qu'on peut s'aimer sans avoir besoin du mariage. Bon, il y a un truc qui va pas. J'ai toujours pas la montre, les girls, là. Qui est... Attends, il se marie vraiment. Il va vraiment demander ça. Je sais pas, sa meuf ou son copain. J'ai 21 ans et je la connais depuis mes 11 ans. Mais non, oh mais j'y crois c'est même beau. Pas. Elle t'en voit plus maintenant, alors d'aujourd'hui. Ah, c'est rare, hein. Il y en avait qui étaient pas très loin de chez nous là. Ils ont notre âge et ça fait depuis leurs 15 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un enfant et tout ensemble là. Ah ouais. Est-ce que tu prends du sucre? Oh non, jamais des sucres dans le café, nom de Dieu. Mère aussi. Tu ne veux pas te marier toi? C'est bien pour payer moins d'impôts. Justement, si on se marie juste pour les impôts, c'est pas... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Tu ne veux pas te marier, toi? Non, il a mal écrit, il a 21 ans et elle, elle a 11 ans. Mais mon Dieu, mais... C'est comme si tu te disais, ouais, vas-y, je vais me marier. Bah vas-y, il est pas sérieux, le type. Et après, j'ai fini ma vie. Elle est où, Aude?
Non, elle est en train de... Elle est en train de faire du café. C'est fort de café, ça. Non. Excusez-moi pour mes vannes de merde. Mais... Oh, mon bébé. Elle croit que je suis pas là et que je suis en week-end entre potes et boum, j'arrive à demain. Thibaut Durand, j'ai du mal à te croire dans tout ce que tu es en train de dire. Je vais faire une sorte de biceps triceps ce soir. Ah ouais? Ouais. Alors, Aude va faire une séance de... Oh là là, mais pourquoi... Pourquoi t'es cool, toi? Mais pourquoi il y a plein d'éclaboussures? Ah non, de Dieu, les choux. Ah. Non, super, ta fan fort de café. Une vanne de merde, mais on s'en fout du moment qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Mamie Suze. Ah, nom de Dieu, il y en avait une qui venait de rejoindre le live, elle s'appelait Marie Suze. Marie Suze. Tu mesures combien? Bah, je suis pas très grande, moi, je fais 1,62, 63, 1,63. Et moi, je fais 1,51. Non, je fais 1,52. Et l'autre fait 1,52. Les bras levés. Je rigole. Aude, Justine, elle veut un café également. Ça marche, je te l'envoie en Uber Eats. Elle envoie ça en Uber Eats. Comme quoi, je suis pas la seule à faire des vannes de merde. Non, mais grave, la c'était trop de la merde, même moi je suis. Tout ce qui est petit est mignon. Tout ce qui est grand est charmant. Ah, je connaissais pas celle-là. Et ouais, parce que sinon on dit tout ce qui est grand est bon. Ouais. Donc j'essaie de rattraper la grosse. Hein. Putain, il reste à peine une heure, c'est trop chiant. Mais non, ça va t'allumer quand ça passe vite. Et c'est ça les coupures que j'ai. Tu vois, tu veux que je fasse quoi en fait en... Ouais, puis tu vois, je peux pas rester parce que demain je bosse. Bah, samedi aussi. Et demain, bah du coup, demain, je reçois mon frère. Sinon, je faisais du 7-7 cette semaine. Ah, 7-7-7, mais t'es là. Oh mon bébé d'amour, pardon, je te pissais le coussin. Ah,